Yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, dans une de mes dernières vidéos, j'ai déménagé dans la ville de Contres. Avant j'habitais dans une petite ville à 30 minutes de Paris, beaucoup plus près de Guilleville, Pezou, tout ça. Maintenant j'ai déménagé dans la ville de Contres. Et du coup ça me faisait beaucoup plus loin pour aller à Guilleville, Berchères, tout ça. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au motocross de Guilleville. Je vais vous faire un gros truc de malade. Ce soir je vais dormir au motocross de Chartainvilliers. Et demain je roule au motocross de Chartainvilliers. Je vous fais deux grosses vidéos, ça va être ouf. Je suis très pressé d'aller rouler. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis bah, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Donc là les gars, je vous ai filmé deux petites séances de repérage. Et là je suis content de moi parce que deuxième, je suis content de moi, franchement j'ai bien roulé. Après faut encore que je m'habitue au terrain et que je trouve peut-être d'autres traces. Mais il y a pire quand même, il y a quand même bien pire. J'ai bien roulé, je suis content. Et puis bah, maintenant vu que c'est un nouveau tracé en fait, faut que je le découvre. Et puis bah voilà. Mais bon, en tout cas j'ai mis du gros gaz. Faut que j'en mette encore, je peux encore en mettre 10 fois plus, même 20 fois plus. Mais bon, voilà. Je vais aller refaire encore quelques sessions. Et puis bah, ensuite ce soir, je vais à Chartainvilliers. Et puis la semaine prochaine, vous avez une grosse vidéo à Chartainvilliers. Donc voilà. C'est chaud, hein. Il fait chaud. Par contre, le temps il s'est un peu gâté. J'ai pas envie qu'il pleuve, mais bon, ça a l'air de se maintenir pour l'instant. Mais bon. Moi je vais aller refaire une session et puis bah voilà.
catch your feelings in the daytime. If I don't love you, better go and do not waste time. You caught my eye when I met you in the great night. Fall in love, but you fall into the grapevine. That's what happens when you feel it in the daytime. If I don't love you, better go and do not waste time. You caught my eye when I met you in the great night. Fall in love, but you fall into the grapevine. Hit me on the radio, not ready, no. Les gars, j'ai déjà fait au moins 4-5 séances. Là, je reviens d'une qui fait 18 minutes à peu près. Donc, je suis content de moi. Après, il y a mon pote, il met du gros gaz. Donc,
ça me saoule un peu parce que j'arrive pas à le rattraper, mais je suis quand même content de moi parce que je roule plutôt je roule mieux qu'avant quoi, je mets un peu plus de gaz, mais bon. Et mon pote qui roule plus vite que moi, à la prochaine session je vais essayer d'aller le chercher. Donc voilà. Vous allez sûrement le foutre de moi, mais j'arrive pas à le passer depuis le début de l'après-midi. Je sais pas pourquoi, je galérerai à le passer alors que le son est minuscule. Mais là, je le passe, donc petite satisfaction, normal. T'as capté, on reprend la vidéo tranquillement. Et c'est bientôt la fin. Et d'ailleurs, abonnez-vous. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé sur le nouveau terrain sur le nouveau terrain de Guyville, le nouveau tracé. Je suis content de moi. J'ai encore progressé comme à chaque sortie. Je progresse un peu, mais là j'ai bien roulé. Je suis vraiment content. J'étais avec un pote, c'est super cool. Le terrain était trop bien. Et voilà. Demain je vais rouler, donc il y a l'épisode 2 qui sort de mercredi de la semaine prochaine en fait.
Donc voilà, ça va être deux gros vlogs. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez et lâchez un petit commentaire. Partagez, abonnez-vous franchement, parce que mes vidéos, elles n'arrivent pas à avoir beaucoup de vues. Et je suis sûr que si j'aurais beaucoup de vues, bah ça m'aiderait beaucoup plus et j'aurais beaucoup plus d'abonnés. Moi, ce qui me motive, c'est les abonnés. Donc tous ceux qui y sont déjà, bah je vous remercie énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine à Charpinvilliers pour un gros vlog de ouf. Et puis bah bye. Yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'un des plus grands terrains de France. Donc là les gars, je suis en train de faire le tour du terrain. Le mec, il a passé un coup de bobcat sur une grande partie du circuit.